Balandia Congo Live Télévision, na banzai te tokouté na bino sousou na mokolo alelo pour que to passe en revue ba situation ko le kanakati ya République démocratique du Congo, ndenge tokolo baka toujours awaite Congo Live Télévision au cœur de l'information. Lelo oyo tokota la ba situation ko le kanakati ya République démocratique du Congo et ko inquiété ba Congolais mingi. Komo na wapi lelo oyo actualité pe information République démocratique du Congo ba Congolais ba komi tuna, est-ce que ina bato o balingi mon cannabis ou kende en avant toi ina bato oyo balingi eti République démocratique du Congo ezonga obesima lelo oyo développement République démocratique du Congo tokulobela yango ndenge nini et pa yapi ba secteur oyo kotambwisa mboka melelo oyo mwambilinga bilingezali tokotala boni boni assassinat ya mwana mboka Cheribe Okende lelo oyo procureur près à cour ya cassation alobi ete babal oyo ekotaki na nzoto ya Cheribe Okende eutaki na mondoki na ye mondoki ezalaki gardé par garde ya Cheribe Okende mais etikalaki na motuka situation wana ezali boni boni assassinat ya Cheribe Okende quels sont les dessous des cartes na banza yete ezali boko ya ba sujet to ko partager lelo et to kota la boni boni lelo oyo o ezalaki conseiller ya chef de l'état Fortuna Biselele lelo yo a liberté provisoire. Mais liberté provisoire na ebimi aussi longtemps to moni nyonso ebimi na ba réseaux sociaux. Est-ce faut encore reprendre la matière tout autour l'instruction na banza yete zali ba situation to kabola na mokolo mwa lelo. Est-ce que na kati ya République démocratique du Congo ba voisin ya République démocratique du Congo ba ko jouer traîtrise na kati ya mboka na biso? Et pas yuapi Denis Sassou Nguesso à se rendre na Rwanda. Nyon soana we loba mi et salami na kati ya Rwanda. Tukoye ba mon émission na bisou alelo. Et bon moto kotala. Pendant que tu as na jet de la francophonie awa, et pas yuapi te zali pena ba étranger. Et sida bimi na kreno a lobi et marche le 29 juillet. Est-ce pour na ko salir image ya chef de l'État? Topo na ko olakisa na place publique et mboka na biso ezali na ba questionnement na banda yete ezali ba sujet to kokabola na mokolo mwa lelo to tala boni boni wa pipe union sacré to ina kati ya union sacré to ina kati ya union sacré pa iwapi mwa nungu nungu ekobima ba ti lokwebo na Vital Kamerhe ba ye ba ina kati ya presidium ya union sacré. De l'autre côté, na ville province à Kinshasa, gestion à ville, j'ai Koko Moulumba, na gentil Ngobila, monte Kopela. Je te kabula ba sujet, et le mona mwana mboka, Charles Quint, ou yazali au kati, lelo ya Congo Live Télévision, et le mona ye, toko meka un peu lelo ou yokoyeba, ko éclaircir lanterne publique, ko éclaircir bino ba yebo, zui li bako ya kolanda biso. Quand ta situation est collée kanakati ya mboka na biso mona mboka mbote na yo mbote ndeko Olivier, merci beaucoup pour l'invitation au lancer na biso pour la émission malamu oyo ya Congo Live. Nabanza yete lelo oyo toko kabola parce que lelo ba sujet ezali ko inquiéter ba Congolais ba ko se poser ba question lelo yo scène politique à République démocratique du Congo et ko bénéficier na ba Congolais to ko bénéficier na mo poignée ya bato oyo ba kangi scène politique à République démocratique du Congo toko banda na sujet oyo to uti ko enosé lelo assassinat ya Cheribe Okende procureur après la cour et la cassation, M. Firmin a l'obiété. Babal ou écoute qui n'a pas de tout et à moi n'a pas de Cheribe Okende et ou taki n'a mondo qui a garde. De l'autre côté, garde à tika qui mondo qui n'a kati à moutouka. Situation en agnosso et quoi interpeller au nini mon amboka. Je pense que dossier on a les ali dossier moko ya mawa mingi. Pour être mutu oyo asili kowa oyo basili koboma mwana mboka Cheribe Okende azali père de famille
acteur politique y a niveau ya l'écolo na kati ya mboka na biso. Alors ekozala malamu mingi ba imboka nyoso oyo bazali ko lobela likambo oyo batia mwa mayi na vinyo. Na yoki yoki ba déclaration ebele, notamment ba communiqué oyo Ensemble pour la République a publié na lundi déclaration ya ba avocat groupe ya ba avocat oyo ya chauffeur ya chérubin Okende pe garde du corps naye na yoki ba déclaration ya ba membre mususu ya ensemble en dehors ya secrétaire général ya parti wana na yoki ba déclaration ya groupe moko ya ba mama songolo pakala na yoki na yoki na yoki. Alors Firmin Vonde procureur près ya cour de cassation oyo azana dossier wana azali mutu oyo maçon ou maman Bipoupoula, ou c'est pas moi, un chauffeur taxi, a coquitté, que se permettre, Yarobanda, que Pesaye court, y a droit. C'est quand même osé de voir que les gens veulent donner des leçons à un haut magistrat comme celui-là, qui a blanchi sous les harnais, il a passé toute sa vie. En faisant ce travail-là, je vis des réactions parce qu'il avait communiqué au cours d'une conférence de presse sur l'Ikambo, il y a assassinat, il y a Chérubin Okende. Batouba Lobi, non, 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 il est en tant que procureur à l'étape Oyo, à quitter, à conclure. Que ça, la conclusion, le lengue oyo à saluana. Na landango, na ba communiqué, ba déclaration oyo, ya bateau na oti kotanga na esika oyo. Mais, ce qui ont tali ndenge ba makambo et le kaka, atane États-Unis. Récemment, awa, ils ont affaire moko ya mounene, oyo zali ko mettre en cause l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. Mon ami, procureur Oyo Azalina dossier naïe, il a fait une conférence de presse au cours de laquelle on lui avait posé des questions par rapport à l'évolution du dossier où on en a une enquête à Sali. Il a donné quelques éléments, mais après, ces éléments n'y ont sauté. Donc, Namouni Tepouna Nini. Ba Congolo, ba Congolais Moussousou, ba Koki Kolobake, procureur à Salimbeba, pour être à communiquer, à ta Katéi na fonte ya dossier, pour à communiquer sur ba hypothèse, parce que lui-même a utilisé les mots. Ba hypothèse, et ba hypothèse wana e outi wapi, e outi jusque là na. Rapport Oyo ba med ba rapport y a police criminelle, il avait bien précisé là-bas. Police criminelle tant ba sali quelques enquêtes, ils ont effectivement découvert que ba Luana Oyo et cause à la ebomi Chérubin Okende et bima qui effectivement na arme Oyo ba kota ki na mutuka wapi likambu ya mabe. Mais c'est quoi? Les Kambouamabe qui ont inquiété les Congolais, les Louis Aliété, garde du corps, Azali Namaboko, il y a mon amboka firmé, Vonde les Louis. Situation où ils allaient dans le dossier, il y a mon amboka Chérubin Okende, ils allaient dans le deux faces. Le Lincoln chauffeur, à cause ça, la communication na ye. Na moko ya ba journaliste Ensemble pour la République Peter Tiani et lelo oyo tomoni garde du corps mondo ki ya garde du corps ne bomi Chérubin Okende
garde du corps azala ki wapi. Non mais c'est clair que garde du corps yemoko na audio oyo bisonyo soto landi alobi malamu ke ye akitaki po akende kotika lettre oyo Cherubin Okende akomela ki cour constitutionnelle. Alobi malamu ki asala ki ata 5 minutes te. Tango a déposé lettre wana oyo Cherubin Okende abandé ko singa ke ba reporter séance oyo esengela ki azala na magistrat juge ya cour constitutionnelle Sylvain Lumu tango abimi libanda amoni mutuka te. Voilà, mais atika ki arme na ye na kati ya mutuka. Mais est-ce que quelqu'un inquiété ba congolais lolenge kani garde o azali censé akotambola na mondoki na ye akotika mondoki o ezali arme à feu o ezali eloko oyo ekomema ka moto na liwa. Bon, wana to zela enquête o ezali ko salema procès o ye ko salema nde ekopesa biso lumière na ba questionnement nyonso wana biso tozali komituna mituna solo mais to zelana no justice asala mosala na ye pour que to yeba vérité na likambo oyo. Il faut to signaler na ligne na lobelo komoko parce que il y a beaucoup de choses qui se racontent par rapport ya liwa oyo mais ngai eloko oyo sepelisa ki ngai oyo sepelisingati sikoyo ezali position oyo gouvernement congolais agi par rapport à likambo oyo. Gouvernement congolais alakisi détermination na ye na likambo oyo de sorte que vérité eyebana. C'est ainsi que France gouvernement a commis déjà mboka ya France, gouvernement a commis déjà mboka ya États-Unis, gouvernement à saisir déjà MONUSCO, gouvernement à saisir Afrique du Sud, gouvernement à saisir Mboka ya Belgique pour que batinda ba expert na bango ba yana ba moyen nyonso oyo bazali ko disposer et ça sera aux frais ya gouvernement et ba sangana na ba expert ya awa pour ba sala enquête wana et ba résultat ezala transparent et rapport ezala teke eza influencé par X ou Y. En tout cas, cette détermination, il y a gouvernement congolais pour que la vérité puisse éclater na kati ya likambo oyo, c'est vraiment quelque chose à saluer. C'est vraiment quelque chose à saluer parce que ngai nazali komituna ba mituna ebele tangu batu ebele tangu na koyoka batu na kati ya opposition bazali ko misusu bazoloba carrément que liwa oyo euti na kan ya pouvoir parce que Cherubin Okende azali membre ya opposition ya parti politique ya Moïse Katumbi kezali ko bazali pouvoir azali ko créer climat moko ya terreur. Vous avez suivi ma déclaration belle dans la scène la République à Lobaki yango clair a kokolé image et discours du chef de l'État Mbujimayi na fait ya mon amboka. Donc on déjà ce sont des raccourcis hein, c'est vraiment des raccourcis et je pense que gouvernement na yebité ce que kokoza na gouvernement oyo zana batu oyo bazana cerveau batu oyo bazali na mwa mayele ya moke na mito na bango oyo bakoki ko se permettre ko commettre crime ya ndenge wana na temps oyo parce que crime wana ekoki ko profiter na nani. Est-ce que aujourd'hui esa question oyo toko mito na est-ce que po Félix Tshisekedi soki aza na volonté ya ko briguer deuxième mandat ko gagner élection par tous les moyens. Nazo va bien par tous les moyens. Ils ont une voie normale, ils ont une voie il y a fraude, ils ont une voie il y a violence. Azan a posé à Koboma Cherubin Okende. Est-ce que je me pose la question hein? Je me pose la question. Est-ce que un chef de l'État n'engazawana
Oyoza na tous les moyens de l'État. Oyo ba opposant, bango mo ba lobake azo contrôler cour constitutionnelle. Bango mo ba lobake azo contrôler CENI. Bango mo ba lobake azo contrôler armée, azo contrôler police. Bango mo ba lobake azo contrôler ba finance à l'État. Bango mo ba lobake azo contrôler territorial, ba gouverneur, ba administrateur de territoire, bango nyonso wana bazana maboko na ye. Ye muto azali ko gérer bango. Est-ce que à partir il y a ba élément wana oyo ba opposant bango moko ozomona lelo par exemple Martin Fayulu azolinga ko kende na afficher na élection te parce que ça na ba revendication na ye azolo ba ke Tshisekedi à mettre tout en place pour que asa la hold up électoral comment. Ça fait que Moutou Oyobino Moulobaké a tous les moyens pour ça la ordre électorale. Il doit encore avoir besoin de Boma copier sa ordre pour pas Boma un opposant comme ça. Oyo Aza Azo représenté danger pour Naïté. Oyo Pé Azalaki Moutou ya matatate local là-bas opposant Moussou. A travaillé dans le gouvernement, ça m'a un mon aboka. Bon, mais qu'on travaille dans le gouvernement, et le Bénin. Est-ce que c'est une infraction le fait qu'il travaille dans le gouvernement? Est-ce que yo qui ndenge serait aucun d'abîme wana qui est dans la justice soit procureur ou bien ONG moko boye ba sali déclaration moko ya olobagi non a détourné 4 millions 5 millions de dollars ou 1 million ou 500 000 dollars yo qui ango mais lolé ba tout oyo ba détourné bambongo oyo ata ba soupçon ya pas ma détournement to yebi bango to yo kaka ndenge ba association et belles à la organisation et na carte à société civile n'est pas dénoncé ça. Est-ce que yo kata IGF a sali contrôle dans le ministère à transport tant que chérie moi quand d'azala yo na oyo que non ba incriminé na dossier moko oui non mais donc gestion na yé jusque là est posé dans un problème mais t voilà pourquoi ngai na zo mona t pourquoi pouvoir ou tu sais que dit a koki ko lokali wa ya mutandengo na nazo mona tantu ka est-ce que lelo tozo ki ndi na ba décence parce que lelo ba congolais ba na posa ba yeba vérité zali et pa yeb clameur de l'autre côté ko accuser pouvoir en place lelo ba ndekoupé à pouvoir ba ko accuser ensemble pour la république na dossier chérie ben okende et pa yopi lolenge tani chauffeur a koki ko communiquer na journaliste aussi longtemps que secrétaire à parti azali ba tebelé à parti bazali lelo oyo nakobanza yete zali clair le CGA ensemble pour la république alobi ete ya solola ki na chauffeur ya Cheribe Okende te mais audio ekolika entre Peter Tiani na chauffeur ya Cheribe Okende et Cheribe Okende et chauffeur ya Cheribe Okende akoloba clair que abenga ki secrétaire général ya ensemble pour la république complot ezali wapi mwana mboka bon ngai nakoloba te sika complot ezali tokoye ba bipai oyo complot et outi tango enquête ekosalema justice nde mutu akope sa biso lumière na makambo wana ngai en tout cas à ce niveau ici je ne peux pas pointer du doigt mutu songolo koloba ke liwa oyo et outi na kan oyo to kan wana non mais je peux me dire même pas Peter Tienyo tu t'es qui avant enlèvement après non il faut arrêter avec il faut arrêter avec ces histoires là Peter Tienyo toi tu penses que Peter Tienyo n'est pas là à quoi tu n'as pas macambi à niveau on a pas besoin tu penses que Peter Tienyo il est à quoi bah quoi à quoi on dit mais à quoi tu n'as pas besoin bah yandenge wana n'as pas dossier yandenge wana non si Peter Tienyo c'était un ami de très longue date. Je le connais, c'est un garçon oazo salamusana ndenga azali ko salamusana ye. Donc je ne boka dieni azali confrère a confirmé qu'il y a mon télé 5. Non, c'était ezali die source ya dieni ezalaki malamute. Hein? Source na ezalaki malamute. Je pense que ça a été une erreur de sa part de n'avoir pas vraiment vérifié Makambo Mususu wa Lobaki. Parce que Peter Tiani l'air a tweeté. Moi j'étais sur Twitter na Tangwana na une mon notification, j'ai vu Twitterana. Et ça y na ba air wana. Donc source ya Denis de la bien. Donc je ne vois pas Peter Tiani
Je ne peux pas défendre, mais je ne peux pas. Il m'imaginait une fois qu'il y ait. Qu'est-ce qu'il a à voir dans Mali Kambandengwan? C'est vrai que Tangou, Nani, Makambouana et Panzanaki Mokolowana, il l'avait appelé effectivement Gardouana pour s'entretenir avec lui. Et na Kosoana Bango, ils ont clair. Yo mona Peter Tiani azo pointé mutumao que non telle personne a tweeté qui a tweeté qui enlèvement à 14h02 aussi long arrivé y en a ni à 14h02 aussi longtemps que garde du corps azo loba été na ko sala de po na accusé de réception à 16h02 et quart d'heure teme yango na zo loba té Peter Tiani est-ce que yo robi misanga tweet ya Peter Tiani à 14h tu toi les atteint. Tu t'en es athée. Donc, il y a un autre qui est source, net, il y a des nids, il y a des sources. Parce que moi, j'étais sur Twitter. C'est là où j'avais su qu'il y a un problème, il servait au Kende à Bungi. Moi, j'étais sur Twitter ce jour-là. Il y a 14h. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Mais les loups, ceux qui ont écouté le dossier, le lingé kani et quoi avancer. Moïse Katumbi, Koko Manaye na Kinshasa avant qu'il se rendre na Lubumbashi et na Kachobo et place à Zala Kanaye, accueilli na Monisco, accueilli aussi la banquette na Monisco. Lelo Oyo, gouvernement pas singi expertise ya bande gounou sur Libanda pour que bata la dossier ya enquête ya Sherbet Okende. Est-ce que Lelo, parce que justice ya mboka na biso ezali na moi, ba déficit. Les alliés qui ont la expertise à Libanda, toi et Sengela qui ont compté la justice à Mboka Nabiso. Non, c'est pour des raisons de transparence, tout simplement. Et ça pour des raisons de transparence. Parce que aujourd'hui, le problème Oyo, justice Nabiso a dit qu'on connaît Bissonia Zotoye Biango. Tozana justice Oyo Penza, Nandengezo fonctionne, Mikonyon Soyo, et ils ont rassuré Penda Bissote. Parce que le président de la République, le magistrat suprême, il m'a contesté justice. Oui, de la même manière que le président Aloba Kikaza satisfait de la justice, il m'a satisfait. Ce qui est un problème, peut-être que l'air de un problème qui est OK dans le parquet ou bien dans le tribunal. Il y a un problème. Jour où il y a un problème, il y a quelqu'un à parquet ou bien à tribunal, il faut comprendre. Si on comprend que vraiment, Mboka Oyo est dans ma cambo. C'est à ce moment-là. Donc, Moussala Oyo, le magistrat Moussous, je ne sais pas si c'est le magistrat Moussous, il faut rendre un bon service dans Mboka. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est pour des raisons de transparence. Au monaki tango likambo oyo et comme la ki mboka na biso ya liwa ya Sherman Okende olandaki batu ya opposition na batu babandaki kosenga kaka ba secours ya ba service ya mboka bapaya parce que eux même aussi ne sont pas confiants na kati ya alors, c'est une bonne chose. Comment le gouvernement congolais a manipulé les experts aux États-Unis, France, Belgique. Ils viendront avec tous les moyens modernes, la technologie, ils viendront pour faire ce travail-là. En toute indépendance. Donc, c'est là que Wanande Toko Yeba Pena vérité à l'Ikambo. Toyeba vérité à l'Ikambo. Aussi longtemps, le Mokonzamboka, Salagi Cheval de Bataille Naye, état des droits. État des droits où justice déjà est faillir. Donc, Toyeba a été programme à Mokonzamboka et état des droits est échoué dans la République démocratique du Congo. Bon, pour parvenir à conclure fatalement que. Président a échoué na eloko wana il faut ko banda ko sala analyse depuis ebandeli
ti lelo. En ce moment-là, nde tokoyeba ko mettre les points sur les i. OK? Mais je peux te donner un exemple. Au monaki mokolo oyo il y a célébration à journal il y a journée internationale il y a liberté à presse oyo le karaki na hôtel du fleuve oyo kaki comment ba journaliste ba bandai koloba ko boaka ba fleur na mokozamboka que ce soit président Jet a lobby comment en peu de temps la RDC a gagné ba place belé na classement. On avait gagné plus de 30 places au Zomona. Donc, il y a une amélioration na, en ce qui concerne l'exercice et la liberté et la presse na Katiambo Kanabiso. Et ça, bah, ONG international, nde, bah, pesa ki rapport wana. Classement wana, et ça, classement où est salama na Kongote. Liberté de presse, mais justice médiocre. Bon, justice. Ndenge na uti koloba awa justice eza naba faiblesse. Le président a dit qu'il n'était pas satisfait et bisonyo sope tozali satisfait te. De ce côté-là, ça nous devons le relever parce que on a salué à un moment donné bah arrestation il y a batu moko boye oyo bazala qui impliqué na ba détournement il y a ba fond il y a ba nini finalement la manière dont ba procès wana et akoleka batu ba sepela kité. Alors il se pose maintenant un vrai problème. Le vrai problème c'est quoi? Le vrai problème est que président de la République azali na pouvoir total T. Azal limité na ba attribution na ye. Par exemple, ce qui un magistrat a commettre faute na mosa na ye, président a quoi sanctionné etin? Président azali magistrat suprême. Il y a les conseils nationaux, il y a magistrature, oui, azali. Oh, que président de la République, azali, na makoki, yako, tiens-moi maloba pour que, batouana, il y a conseil national, il y a magistrature, pas ça, la mosala na bango. Jamais. Le président de la République a un pouvoir limité. Il ne peut pas s'immiscer na fonctionnement il y a justice. Il ne peut pas. Ce qui a sali ango akosala ango en violation à la constitution na biso. Le pouvoir exécutif n'a pas à s'immiscer dans l'administration de la justice, dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Non. Bakoki ko utiliser ba passerelle moko boye. Bakoki ko utiliser ba méthode moko boye, mais du point de vue de la constitution de la Bisso, il y a ça la côté. Parce que, au moins, c'était une erreur historique au Salamaki, loi Oyo, proposition de loi Oyo, les députés nationaux, le professeur Gary Sakata, n'a obé minaku, la proposition de loi Oyo, la proposaka, na Assemblée nationale sur réforme et justice. Mais comme à l'époque, tu as dit dans le contexte, il y a coalition FCC Cash et que ministre de la Justice, vice-premier ministre, ministre de la Justice, a dit que tout le monde a fait un PPRD et mon anaki netike zalaki complot contre l'état de droit. Oyo, tu sais que tu as pour nous. Or, la réforme est extrêmement importante. On se rend compte aujourd'hui, comme les magistrats aujourd'hui, le magistrat est libre de faire ce qu'il veut. Il ne peut obéir qu'à la loi et à son intime conviction. C'est lui qui dit le droit. C'est lui, le juge est là. C'est lui qui doit rendre un jugement. S'il rend un jugement, il ne peut être sanctionné que par le Conseil supérieur de la magistrature ou les organes de gestion. Il y a promotion, il y a
y a un magistrat, organe où ils ont géré vie, il y a un magistrat, carrière na bango, permutation na bango, promotion na bango, ba salaire na bango. Donc c'est le conseil supérieur de la magistrature. Que ce soit pour la nomination à un magistrat, conseil supérieur de la magistrature et le conseil supérieur de la magistrature, wana, et ça l'a dirigé par le président de la Cour constitutionnelle. Ne ekosangana ba 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 na kati na bango ba sali ba proposition na chef de l'état ya que non par exemple conformément ya loi songolo pakala tozo proposer yo batu oyo na ba par exemple na tribunal de grande instance ya Kinshasa Gombe na cour de cassation ainsi de suite à part cour constitutionnelle nde oyo loi portant organisation et fonctionnement ya cour constitutionnelle nde prévoir lo lengenini ba juge constitutionnel bisikani ni bazali kouta na présidence na parlement pe na conseil supérieur de la magistrature 3 3 3 3, mais les autres magistrats que ça soit na conseil d'état, conseil constitutionnel, na ba cour d'appel ainsi de suite, conseil supérieur magistrature ne avant d'aka azo statuer sur ma makambouana, le président ne peut pas mettre son nez là-bas au somona. Alors ce qui sikoyo ngana za juge na cour d'appel, naza procureur na parquet près ya cour d'appel, na sali mbeba en tant que na musala na ngai, pour nous la sanctionner il faut conseil supérieur de la magistrature à sanctionner ngai. Oh, on a quatre à conseil supérieur de la magistrature wana naza na batoto tanga na bango classe na ba inikine na ba 1970 na ba 1980 tout ça, et les loups ne se mangent pas entre eux, ils couvrent ces choses là. Mais ce qui l'État, ministère de la Justice, par exemple, est à la canne droit de regard na makambouana, na ba nomination, na ba na régime disciplinaire sur les magistrats, wana ministère de la Justice à côté là en ordre du gouvernement, a tel que politique et gouvernement na secteur de la justice est anime. Est-ce que ndenge musala ezali ko salema n'abaye pas magistrat, est-ce que Bazali correspectait vision y a gouvernement par rapport à justice? Ce que Bazali correspectait, le ministre de la justice à quoi intervenir wana? Mais comme si koyo, quelle est l'importance aujourd'hui à ministre de la justice, madame Rosumotombo? Non, mais ministre de la justice a un rôle et belé Bazali ko a un attribution et belé, c'est pas seulement y a qu'au na administration de la justice aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'attributions. Ceux qui au Tangi, au côté du site du ministère de la Justice, vous allez voir les différentes attributions. Na tout ce qui a toujours un dossier à justice et à République démocratique du Congo, et pas y a congolais, bah comme tout na question est belé sur justice et mboka na biso. Est-ce to compter la justice et mboka na biso? To compter la justice et mboka na biso? Ils allient bah question, ils allient na katia opinion publique les lo oyo. To kota la lulenge kani. Liberté provisoire, il y a conseiller, ex-conseiller, il y a chef de l'État, conseiller privé. Fortuna Bisselele. Après, comme on a ma cambonne sur les réseaux sociaux, les lots Oyo, est-ce qu'il faut considérer Fortuna Bisselele? Est-ce qu'il faut considérer jugement où ils allaient rendu? Est-ce qu'il faut considérer ou soit il faut reprendre l'instruction? Il y a mon amour qu'à Fortuna Bisselele, les lots. Bon, jusque-là, il n'y a pas un jugement rendu, un jugement définitif coulé en force de la chose jugée, rendu par un quelconque juge Nakaya Biselele. Il n'y en a pas, jusque-là. Nabanzaïti Bakongola, Bakolanda Biso, Bakoye, Baete, Namboka Nabiso. Nabanzaïti, Ezali, constat Oyo, même opinion publique, Yébi, même Ngaï Nayoto, Yébi, Angoete, Montosso qui justice et PC, liberté provisoire. Ils ont mis des parts dans les Moubimba et Kokin. Bon, c'est faux. C'est faux et archi faux. Liberté provisoire, Ndenge et Lobamaka, arsenal juridique Nabiso, liberté provisoire, ils ont mis la règle. C'est la détention qui est une exception. Mais la liberté provisoire, c'est la règle. Il suffit que quelqu'un accomplissent toutes les conditions requises pour bénéficier de la liberté provisoire, il faut lui accorder la liberté provisoire. Il suffit qu'il accomplisse, qu'il ait un domicile fixe, qu'il n'y ait pas de cas de risque de sa fuite. Donc, s'il réunit toutes les conditions, on peut faire cette liberté provisoire.
Donc, mais, ba magistrat na biso oyonde ba comme ça va makambo compliqué. Au moins, pour accorder une liberté provisoire, bambongo, baboye na boye, bakou kanape moutou, moutou à réunir ba condition de liberté provisoire, bango ba pesi en gote parce qu'il cherche un peu de l'argent et tout ça. Voilà. Mais la liberté, la détention est l'exception. La liberté provisoire, c'est la règle. Il suffit de remplir les critères pour bénéficier de la liberté provisoire. Alors, dans les cas, il y a Fortuna Bisselele. Jusque-là, je suis vraiment déçu. Je suis déçu de voir que on a accusé Fortuna Bisselele de deux infractions. L'atteinte à la sûreté de l'État et la propagation de faux bruits. Jusqu'aujourd'hui, Totikali, selon Media Moussousou Oyo, Zalaka na ba collaborateur, je peux dire comme ça, Oyo ba pèse ba information, même à l'étape de l'instruction préjuridictionnelle, ces médias-là ont donné, publié des informations comme quoi le dossier Abisselé les a vides. Et il n'y a pas vraiment de fait. D'abord, on a perte, il y a document, il y a parquet, et les dossiers sont vides. Est-ce qu'on ne couvre pas quelque chose dans le dossier à Fortuna Bisselele? Bon, attendons voir ce qui va se passer, mais moi, je me dis que jusque-là, te yokina nouté, il est ma pinda ya makasi. Il est ma pinda ya makasi, limité, ou il est là que ça qui est. Fortuna Bisselele a commettre une infraction ou une atteinte à la sûreté de l'État. Jusque-là, pas encore. Parce que c'est quelqu'un qui était conseiller privé. Il y a le président Tshisekedi. Il a battu campagne avec Tshisekedi, campagne électorale en 2018. Il l'a accompagné jusqu'à ce que Nenge Tshisekedi a comme président. Alors, moi j'aimerais que... Attendons. Si, effectivement, il a commis ces infractions-là, il faut qu'il soit condamné. Il faut qu'il soit condamné. Mais s'il n'a pas commis ces infractions-là, c'est normal qu'il soit acquitté. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué. Moi, je suis un chrétien pratiquant. Je souligne bien cela. Je suis offusqué de voir... Je ne peux pas supporter de voir les acteurs politiques d'un certain niveau plongés dans des orgies sexuelles telles que nous l'avons vu, telles qu'aujourd'hui c'est le cas dans les images qui sont publiées sur TikTok partout, les vidéos de Fortuna Bisselele. C'est une immoralité inacceptable. Au sein de la classe politique de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a aussi la sénatrice Carole Aguito qui est là-dedans. Non, écoutez, attention. Il ne faut pas te créer des problèmes pour rien. Un journaliste n'affirme pas des choses comme ça sans preuve. Non, ça, c'est te créer des années. Donc, jusque-là, il n'y a pas de preuves. Toi, tu as vu les images de Carole Aguito avec ses... Tu as vu ces images-là. Si aujourd'hui, on t'appelle pour dire « Montre-nous ces images-là », tu seras en mesure de monter les images? Non, parce que ce qui est clair, il y aurait de vidéos avec Carole Aguito. Voilà ce que tu aurais pu faire. Tu aurais pu parler de cette façon-là. Prendre un peu de distance avec les faits. Hein? À moins que aujourd'hui tu peux dire « Bon, je suis devant une caméra ». La caméra est en train de filmer M. Charles Lequin. Là, tu as vu. Tu en as les preuves. Mais ça, tu ne peux pas te permettre d'affirmer ça. Moi, j'ai vu les images que j'ai vues sur TikTok. Jusque-là, il n'y a pas des images de Carole Aguito. Et vous avez suivi la réaction du parti de Carole Aguito qui a dénoncé et a dit qu'il était prêt à déférer devant les cours étudiants tout celui qui va... s'atteler à dire des choses comme ça. Parce que c'est faux. Alors, quand cela ne tienne, est-ce que
les services de sécurité qui avaient ravi les téléphones de M. Fortuné Bitezelele avaient-ils le droit de publier ces images-là? Est-ce qu'ils ont le droit de publier ces images-là? Mais est-ce que c'est ça? C'est Yango Likambo Tokota la partie à justice en Bokanamiso. Attendez. Parce que tout à l'heure, il y a bilengé Oyo, basagi na dossier kidnapping, lelo Oyo bangope, bah vidéo ezala ki. Ce sont des infractions. Lelo Oyo Fortuné Bitezelele encore publié. À est-ce qui que émane aujourd'hui la responsabilité? C'est une question. C'est une question. Est-ce que quelqu'un, est-ce qu'il y a une loi dans ce pays qui interdit à quelqu'un de se filmer nu devant son téléphone? Il n'y en a pas. À travers le monde, ça n'existe pas. Quelqu'un peut être dans sa douche et se filmer nu en train de se laver. Quelqu'un peut être avec sa femme ou ses concubines ou des prostituées, se filmer. Pour, même s'il veut aujourd'hui qu'il entre dans l'industrie de pornographie. Mais c'est de sa liberté. Il n'y a aucune loi qui interdit ça. Quelqu'un peut aujourd'hui dire, décider de devenir pornographe, faire des films, faire des partout comme il l'a fait là. C'est son droit. Dans son téléphone. Le téléphone d'une personne aujourd'hui, c'est comme son domicile. C'est sa vie privée. Mais pourquoi prendre de telles images et les publier sans l'autorisation de l'auteur des images? Donc là, c'est... Non, mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. Ces choses-là, nous savons ici dans ce pays. Beaucoup d'acteurs politiques, hommes d'affaires, tout ça. Et ils sont dans ça. Ils sont dans ça. Et peut-être même ceux qui ont publié ces images-là. Ils peuvent être aussi dans ça. Parce qu'à la fois, ça prend des dimensions spirituelles, des gens qui font des cultes avec les sexes des jeunes filles, 3, 4, 5. Ils font des orgies sexuelles, des cultes aux démons. Et Dieu seul sait combien d'acteurs politiques sont dans ces histoires-là. Mais s'ils les font dans un cadre strictement privé, c'est leur problème. Pourquoi diffuser de telles images sans autorisation de l'auteur? Donc, ça démontre qu'il y a à la fois un règlement des comptes, des infractions commises, et si cette justice, cette fameuse justice, pouvait faire un travail pour retrouver celui qui a publié les images d'un père de famille, comme ça, ou peut-être son enfant peut être sur TikTok, innocemment, mais il tombe sur la vidéo. Il ne se rendait pas compte de la gravité et... Non, mais c'est sa vie privée. C'est comme je dis, tu peux être toi-même dans ta maison avec ton téléphone en train de te filmer. Peut-être pour envoyer à ta femme. Où est le problème? Je pense où est le problème? Tu sais, aujourd'hui, des gens qui vivent aujourd'hui, à l'heure actuelle, les gens qui vivent séparément, la femme est aux États-Unis ou l'homme est aux États-Unis, aller faire des études, la femme est restée à Kinshasa avec des enfants. Tu sais ce qui se passe entre eux deux? Tu sais ce qui se passe? Est-ce que tu sais ce qui se passe? C'est pas interdit. Le mari peut être à distance dans un pays X, la femme est dans un autre pays, mais ce sont des gens mariés, ils peuvent être pasteurs ou pas pasteurs, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire. Donc aujourd'hui, moi, Namboka, à Charles Quint, vous confirmez et que vous dites, vous réalisez que toutes ces immoralités-là n'ont pas une loi, ou soit ces immoralités-là. Vous, yo okoku misayango lelo. Non, mais alors peut-être que tu n'es pas ici sur place. J'ai condamné au début l'immoralité. C'est moi qui ai sorti le premier le mot immoralité ici. Et c'est moi aussi ici. Non, parce que tant tu n'es pas sur place. Tant que on va dire na yo okwa encourager et te battre pour ça la makambo na ndenge oyo wana. Je n'ai pas encouragé. Comment tu dois me faire dire des choses que je n'ai pas dites? Non, car c'est la population congolaise qui a mis sur les lois. Est-ce que ce n'est pas sur plaisir distrait? J'ai commencé par condamner ça. J'ai commencé par condamner l'immoralité là. J'ai commencé par là, non?
Mais maintenant, tout en condamnant cela, j'ai dit ceci. Est-ce qu'il y a une loi dans ce pays qui interdit à quelqu'un de se filmer nu? Il n'y en a pas. Est-ce que dans la Bible, il y a une écriture, un verset, qui interdit à quelqu'un de se filmer nu dans son téléphone pour lui-même? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit à une personne, immorale soit-elle, de se filmer en train de faire les ébats sexuels? Est-ce qu'il y a une loi qui interdit ça à travers le monde? Il n'y en a pas parce que la loi ne peut pas légiférer sur tout. La loi ne peut pas aller jusque-là. Mais la loi peut, la loi interdit la publication de ces images-là sans l'autorisation de quelqu'un. La loi, là, ça, la loi interdit parce qu'il s'agit de la vie privée de quelqu'un. Quelqu'un en train de faire le rapport sexuel avec sa femme dans sa chambre, est-ce qu'il a violé la loi? S'il décide de se filmer là-bas, est-ce que c'est de l'immoralité? S'il décide, quelqu'un qui se filme avec sa femme, légalement marié, il se filme pour, peut-être lorsqu'il voyage, qu'il continue à regarder sa femme ou qu'il continue à regarder son homme, est-ce que c'est une infraction? Non, ce n'est pas une infraction. Est-ce que c'est interdit par la Bible? Non. Est-ce que ce n'est pas les loups, donc, ils allaient honte la place et la classe? Mais c'est une honte, bien sûr, de voir que ces images-là ont été publiées. Celui qui a fait ça, c'est lui l'infracteur. C'est lui l'infracteur. Il doit être déféré devant la justice. Parce que cet homme-là a fait ces histoires-là. C'est de l'immoralité. Ça, il faut le souligner. Qui est condamnable. Parce qu'on n'a pas besoin de voir à la tête du pays des gens qui se comportent de cette manière-là. Et j'ai souligné aussi ici que ces actes-là prennent à la fois parfois une dimension spirituelle. Les gens qui font ce genre d'orgies sexuelles, c'est en réalité des cultes qu'ils font aux esprits, aux démons. Je l'ai souligné ici. Parlons aujourd'hui de la situation sécuritaire dans la République démocratique du Congo. Et pas Iwapi, Tomoni était le président de Denis Sassou Nguesso, le président voisin de la République voisine de la République démocratique du Congo, à se rendre na Rwanda. Et à Zui, on a eu à Zui, les Loyo. Et aujourd'hui, ils ont officialisé que ceux qui sont en Rwanda, sans visa, na Congo-Brazzaville, et ceux qui sont à Brazzaville, sans visa, na Rwanda. Est-ce que les Loyo, voisins de la République démocratique du Congo, ont participé à la traîtrise pour la République démocratique du Congo? Bon, dossier Oyo, na yoki ba polémique. Et belé autour de ça, l'indignation des Congolais de Kinshasa par rapport à cette coopération-là, ces mariages-là, Congo-Brazzaville-Rwanda. Mais je dois d'abord relever les premiers éléments. Élément à Liboso, c'est que les Congolais et Sengeli Bayeba, les Congolais à Kinshasa, et Sengeli Bayeba que le fait pour le Rwanda et le Congo-Brazzaville d'entretenir des relations bilatérales, de mettre en place une coopération économique, ce n'est pas un problème. Parce que le Congo-Brazzaville est un pays souverain, tout comme le Rwanda, c'est aussi un pays souverain qui est libre de coopérer avec n'importe quel autre pays de son choix. Ça, ça doit être clair. Autre chose, il y a que dans le même cadre, il y a coopération. Bissona Brazzaville, pour nous, Brazzaville, tout ça, on a pas ça visa. Tout ça, on a pas ça laisser passer. Pour nous, on a pas ça laisser passer. Ils pas ça laisser passer. Bissopena Rwanda, si on commune à Goma, on n'a pas de Kigali. Au Kenya aux yeux document moko wa benga ya CPGL hein aux yeux esa aux yeux document là je crois c'est à $10 hein $10 ou $20 et puis au commune à grande barrière kana Goma wana au katsi nayo au Kenya nayo Rwanda le même jour ici aux yeux document wana ata sikoyo au Kenya nayo et surtout Goma wana ti Rwanda esa la ka une affaire ya ba $10 $10 comme ça.
7 ou 18 dollars, transport est cher, c'est tout de ce côté-là. Donc, Congolais, awa pour Kende, Rwanda, ce que vous avez kuna, vous en avez visa. Mais les grands problèmes. Est-ce que tu peux me laisser parler? Non, je peux expliquer quand même, population congolaise, les grands problèmes, les alliés étaient. Moto Azali toujours considéré comme partenaire privilégié et puis démocratique du Congo, le président Denis Sassou Nguesso, Oyo, Joseph Kabila consulta, Oyo, et Félix Antoine Lelo Tshisekedi a consulté. Mais qu'on sala déviation wana avec le Rwanda, parce qu'il a dit que le Rwanda est quoi agresser la République démocratique du Congo, qu'il a pas en partenariat avec le Rwanda. Est-ce que le Rwanda est quoi contre volonté de la République démocratique du Congo? Bon, je ne sais pas si ce que vous posez question à Sika ou bien c'est la même question. C'est la même donc, question, mais toi, qu'il n'est pas ce que le tu aurais pu me laisser continuer au lieu de poser la même question. Donc, faire comprendre que les Congolais, les Loyaux étaient Denis Sassou Nguesso, que ça la traîtrise les Loyaux dans la République démocratique du Congo. Bon, il y a un autre, on a continué au lieu de perdre un fil d'idées pour rien. Tu vois, parce que c'est la question que tu avais posée. Allez-y. J'ai dit ici que les pays, ce sont des pays souverains qui peuvent décider avec qui collaborer ou pas. Ils sont souverains. Nous ne pouvons pas aujourd'hui interdire au Congo-Brazzaville de signer des accords avec le Rwanda. On ne peut pas le faire. Ça doit être clair. J'ai donné un deuxième point que entre nous et Congo-Brazzaville, pour aller au Congo-Brazzaville, on n'a pas besoin de visa. Et aussi pour aller au Rwanda, on n'a pas besoin de visa. Juste un laissez-passer, un document de la CPGL. Si tu as ce document-là à Goma, tu achètes ce document-là. Je ne sais pas si tu as déjà été à Goma, tu achètes ce document-là, tu pars au Rwanda. Tu pars au Rwanda sans problème. Donc, on ne peut pas en faire un problème de ce côté-là. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est quoi? Il faut d'abord retenir que Paul Kagame a été au Congo-Brazzaville en avril 2022. C'est là où ils avaient signé 6 accords, des protocoles d'accord, des mémorandums d'entente et tout ça. Ça fait déjà au total 8 accords. Pardon. Et naba accord wana, accord yaliboso obasinya qui est allé accord en matière de défense. Un pays comme le Rwanda, qui a des visées hégémonistes, qui nous déstabilise. Comment Denis Sassou Nguesso peut aller directement signer avec lui de tels accords en matière de défense? Deuxième chose, ils ont signé un autre accord, un accord de cession de la zone économique de Maluku. Maluku de l'autre côté du Congo-Brazzaville, pas notre Maluku ici. Et c'est aussi en face de ces Maluku-là. Les Maluku du Congo de Brazzaville et en face du Maluku du Congo du côté de la RDC. Là-bas, nous avons à Maluku une zone économique. De l'autre côté du Congo-Brazzaville, il y a aussi Maluku, une zone économique. 120 000 hectares de terres cédées au Rwanda pour faire les champs et tout ça. Alors, aussi longtemps que nous savons que le Rwanda cherche par tous les moyens à nous déstabiliser, cela nous a choqués. Parce que nous savons que l'ennemi, comme on dit, l'ennemi de mon ennemi, les ennemis de nos ennemis sont nos ennemis. Les ennemis de nos amis sont nos ennemis. Tu ne peux pas être mon ami, mais tu vas t'allier avec mon ennemi. Ça ne passe pas. Et aussi, quel lien y a-t-il entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville? Quel lien? Le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, tout le bakango na kini, awa, ils ont moko moko. Okuta bateke na Brazza, okuta bateke na kini. Okuta baba. Donc, c'est le même peuple. Okuta ba Congo, na Brazza, okuta ba Congo, na Congo-Kinshasa. On parle la même langue. Il y a beaucoup d'affinités entre Bissona et Brazza. Il y a que ça qu'on a été. Lien ni entre Rwanda et Congo. Lien ni.
Si on, si on peut, on peut dire que ba Rwanda na biso to za penda bande côté, on peut dire ça. Ou bien ba bande ko musika. Ba bande ko ya musika. Mais Congo Brazzaville na biso qui ne koza tellement makasi que ba langanze mo ba yemba ba yemba ba yemba. Ba papa wemba ba nani ba yemba yemba. To zali na intimité ya makasi et to balani ba Congolais ah ba bali ba Congolais Brazzaville. Et la première même dame de Congo Brazzaville, moi n'a qui ça ça. Donc c'est pour relation à ma casse. Mais je n'ai jamais compris pourquoi à certaines périodes, le Congo Brazzaville nous a toujours panardé dans les dos. Souvenez-vous, il y a vague, il y a expulsion, il y a expulsion de Congo na Brazza, na Congo Brazzaville. Dans l'histoire, il y a refoulement, il y a réfugié dans le monde. On n'a jamais vu Mbata Mukolo. On n'a jamais vu dans l'histoire y a refoulement y a réfugié. On n'a jamais vu ce qui s'était passé entre les Congo à Brazzaville. Mais les où plus de 400 000 personnes, plus de 400 000 personnes ont été expulsées en un temps record avec violation massive des droits de l'homme. Qu'on violait Bassi, qu'on bombait. C'est incroyable. Donc, ils ont gagné, Nathan Mobutu, je me demande, non, na Brazil, il a dit, Boma Zaïwa Tika Nyoka. C'est vraiment triste. Il y a comme on a que Sassou Nguesso, à ce qu'il y a comme ça, à court, il y a défense entre Yéna et Rwanda. Donc, aujourd'hui, Kagame peut envoyer des mercenaires au Congo Brazzaville pour venir ici nous attaquer. C'est un peu ça ce qui m'a vraiment choqué par rapport à y a rapprochement voilà, entre Kigali et Brazza. Les lois où il y a plein de déstabilisation et que ça l'a déjà parce que tout le monde est un goût clair entre président Denis Sassou Nguesso parce que ceux qui te l'ont dit bien, ils ont acquis au moins par rapport à. Regret un peu les alas qui présentaient Nangambo et à Brazzaville par rapport à la République démocratique du Congo, par rapport à président Félix Antoine Tshisekedi, les autres Mouni, président Denis Sassou Nguesso, qui est vite en accord avec le président Paul Kagame, qui directement à travers conférence de presse, le président rwandais dit qu'il va attaquer les ADF et les FDLR na terre et puis na sol congolais. Est-ce que ce n'est pas une guerre déclarée à l'avant? Bon, guerre déjà, ils allera déjà, hein? Guerre déjà ils allaient rentrer biso na Rwanda. Donc nous ce qu'on doit faire, ce qu'on a compris une seule chose. Depuis très longtemps, Kagame abanda au salaba semblant, mais il avait lâché les gros morceaux. Na séjour moko à Salaka, il y a je crois 2 mois, sikoyo na Bénin. Où il avait dit clairement que les problèmes entre le Rwanda et la RDC, c'est un problème de terre. Parce qu'il y a eu, dans l'histoire, un moment où les terres du Rwanda ont été données à la RDC. Ce qui est faux et archi-faux. Parce qu'aucun historien ne l'a démontré. Au contraire, c'est à la RDC de demander des terres au Rwanda. Et Kagame a l'obaga yango. Il a dit que les problèmes ne commencent pas aujourd'hui même avec Tshisekedi. Les problèmes, c'est un vieux problème qui date de longtemps. C'est un problème de terre. Kagame a été clair. Donc, nous sommes en M23, tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Le problème de Kagame, c'est Kozwa Mabele. Kozwa une partie en Mboka na biso. Azo ti abiso mal à l'aise koboma batu copier ce comme biso to linga opesa mabelete alors il veut exploiter ba mabelo na nanko atindi ba soda ya armée régulière rwandaise ba sanga ba kotina kati ya ba M23 pour piller nos ressources. C'est juste ça. Donc bisonde de notre côté, ce qu'on doit faire, il faut tous armer Oyo et qu'on bangue ça.
Est-ce que ils ont une réponse plutôt du berger à la bergère T na komona marche dissuasion ya ba FRDC na ba GR na kati ya ville province à Kinshasa, Lubumbashi na Kolwezi. Bon, il fallait quand même faire ça, même si officiellement c'était une marche d'endurance et tout ça, mais c'était un message à tout le monde que l'armée congolaise est en train de se restructurer. L'armée congolaise est en train d'amorcer sa montée en puissance. Même si c'est à pas de tortue, mais on n'est pas resté dans les fonds du gouffre. On est en train petit à petit de remonter cette armée. Souvenez-vous qu'il y a eu combien de discours n'avons-nous pas entendu. Ainsi de suite. Mais nous avons vu. Et ça l'habillement yaba soldat Nabisso, tu sens quand même que il y a un investissement qui a été fait. Donc c'est ça, nous attendons voir cette armée la monter en puissance pour faire peur à tous nos voisins. Parce que tu es très bien que bamboka nyonso oyezali ko environner biso ba humilier biso à une certaine période. Il continue à les humilier. Tala na ba refoulara biso na Angola. Il faut voir comment les Angolais, tant que les Zouakakananais, ils font l'Arabie. Il faut voir comment les Luganda se jouent de nous. Mais hey, qu'est-ce qui manque dans la République démocratique du Congo face à une incohérence, face à une discrimination dans la République démocratique du Congo face à la République Naïe? Est-ce qu'il y a une faiblesse de l'État ou qu'est-ce qui manque à la République démocratique? D'abord, il faut noter que dans le pays, nous sommes environnés. Biso. Les seuls pays où ils ont été c'est la RDC. Bon, peut-être à quelques exceptions près, hein, je ne connais pas vraiment le nombre de Congolais en Centrafrique ou au Burundi ou au Soudan du Sud, je ne connais pas vraiment bien. Mais il y a comme ceux où ils ont que ça soit en Angola, les Congolais sont plein. Et je sais que yo kozanga ndeko na Angola te ba Congolais baza plein na Angola baza na ba quartier soki na Luanda na baza na ba quartier na ba Oja enda baza plein na Angola soki na Congo Brazzaville n'en parlons même pas. Donc tous ay belé na ba Uganda wana na ba Zambie ba Tanzanie baza ibelé. Et je ne crois pas que ils peuvent avoir le même nombre de leurs compatriotes comme nous, nous sommes chez eux. Donc, alors, nous devons nous organiser à l'interne. Nous avons un pays très riche. Pays Oyo Ekosunga, Bamboka Nyonso, Oyo Zaliko entouré Biso. Biso de leadership. Na Tchèque Antadiop, na livre Mora Koma. Aloba a défini ça trois pôles il y a développement pour que l'Afrique ait l'élément. Aloba, Paul y a Liboso et Ali, Paul y a côté Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria. Paul y a côté Afrique du Sud, c'est l'Afrique du Sud. Et au centre de l'Afrique, c'est la RDC. Ce sont ces trois pays-là qui vont contribuer pour que l'Afrique ait l'élément. Et comme un continent moko compétitif comme les autres continents. Parlons de l'Union sacrée, les loyaux, moto et copela, et l'étoffe, et qu'on s'est tiré d'autre part, et qu'on s'est tiré de l'autre, et qu'on bangisa les loyaux congolais. Et pas, il va plutôt comme on a audio et circulé entre professeur Bahati Lukwebo et Vital Kamerhe. Situation, on a et qu'on a interpellé. Bon, Oyebi, Dongolo Misu. Batu ya motema likunya. Batu ya mayele mabe. Bazanga ka jamais imagination. Pour faire du mal aux gens. Et aux gens, aux hommes exemplaires. Aux hommes modèles, références. Pour la jeunesse. Et parmi Batouana, il y a Modeste Bahati. Modeste Bahati est un homme d'État,
un homme exemplaire. Je dis bien un homme exemplaire. Il suffit seulement de voir que ce soit partout où il est passé, même aujourd'hui dans le Sénat, et c'est Kazali, président du Sénat, qui entoure Bahati, qui entoure Bahati, Nabiro Naye, qui l'entoure. Batunion so baza pré, baza na cercle Naye immédiat, qui entoure Bahati. Tu connais ces gens-là? Donc, partout où il est passé, Babisika, le cas, ministre de l'économie, ministre de ceci, cela, Bahati n'a jamais, je dis bien jamais, été tribaliste. Jamais. C'est un homme modèle, un des vrais hommes d'État. Un homme modèle, un homme d'État. Bahati ne paye jamais. Alors, jamais un acteur politique expérimenté comme celui-là. Expérimenté. Vous pensez qu'il peut se livrer à des à ces jets d'enfants-là, même si il peut, même si il arrivait qu'il se dise que je peux manipuler les choses, est-ce qu'il peut les faire de cette manière-là, avec expérience au yazan en politique, il peut les faire de cette manière-là? Bah, c'est quelqu'un qui est porté à cœur par les Kivusiens. Si tu as déjà été au Kivu, que ce soit au nord Kivu ou au sud Kivu, n'a pas politicien nyonso yoyo kakabasala makelele na Kinshasa. Et ça n'a mon côté à investir na Kivu loko la batazate. Na nord Kivu, na sud Kivu. Si au commun à Bukavu, au tel investissement à Bahati, au commun à Goma, au tel investissement à Bahati, au condimaté, hein. Il n'y a personne. Est-ce qu'on bénéficie de la population et à quoi? Mais ça bénéficie. Il bénéficie de la population. Ah, il bénéficie de la population. Aussi longtemps qu'en 2018, la population. Non, mais attendez. Pardon? En 2018, la population, il y a un grand bon déporté qui était dans la circonscription. Non, alors tu n'as rien. Tu n'as rien compris depuis tété, mon ami. Bon, c'est que ça n'a rien compris. En 2018, c'était un problème de règlement des comptes. Némi Mwilanya, qui est du Sud Kivu, il n'a jamais supporté l'ascension de Bahati. La FDC, est-ce que vous avez dit parmi les partis politiques, Oyo Lelo et Zabba poids lourd dans la scène politique, c'est la FDC? Un parti modèle, je dis bien modèle. Un parti modèle. Tu peux croire que. Un parti comme celui-là, dans la configuration FCC à Zalakiwana, par Bahati Abimana, par député ébélé. C'était la deuxième force, il y a FCC. Deuxième force, il y a FCC. Malgré que Kassaye, on a tout fait pour l'étouffer, et quelqu'un comme lui-là qui a investi comme ça, tu vois ses frères. D'ici qui vous n'avez pas voté Bahati le quoi. Vraiment? Vraiment, tu vois les. Tu sais ce que Bahati a fait chez lui là-bas, à Kabaré là-bas. Tu sais ce qu'il a fait au Bukavu? Mais tant que. Non, c'est exactement le nom au c'est là. Tant que le corps, oui, c'est là qui peut-être Mouneni Mouliani, c'est là qui est directeur cabinet, chef de l'État honoraire, à l'objet, au lobby, au l'inga qui a censuré à mon amour Kabaré le quoi. C'est-à-dire, Néhémie a influencé la CENI. Non, mais bien sûr que oui! Oh, tant que l'on va bien sûr que oui, donc mais bien sûr le thèse, que oui. Il y a compromis à l'africaine. Non! Dans l'élection au Elekan en 2018, je ne peux jamais dire que ces élections-là étaient parfaites. Non! Non, 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 je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Parti politique qui a battu AFDC, c'est le seul parti politique au Yomona en 2018. Des poids lourds, allez. Donc, que ce soit ma star, il y a musique. Que ce soit ma acteur politique, il y a Minene, il y a Mboga. Bangon, on se va vendre au Kendekaka. Bazalaka na Bahati. Toi, tu crois que les Aïga Pambaraboui. Même aujourd'hui, c'est la même chose. Le moment de Billy Abel, Baké, na FDC. Au moins, il y a un côté. Au moins, il y a un côté. Est-ce qu'ils allaient éthique? Hein? Est-ce qu'ils allaient éthique? Non, mais quelqu'un est libre d'aller adhérer à un parti politique de son choix, non?
Est-ce que c'est garanti par notre constitution et dans nos lois du pays? Quelqu'un est libre d'aller adhérer à un parti de son choix et d'y sortir aussi, pas sans contrainte. Donc, aujourd'hui, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on pouvait avoir la partie. Il a vu que c'est un homme sérieux. Ils savent que ce monsieur-là, c'est un homme sérieux. Des partis politiques où il y a la discipline, il y a l'ordre. Un parti politique modèle, implanté à travers la République. Au quotidien, il n'y a jamais eu un AFDC, combine, banine. Non. Le parti, ils allaient attraper les bébés pour les militants. Oh, mais ça, c'est toi qui l'as dit. Mais je te dis, si tu es un monde normal, pourquoi tu as une union séminaire? Parce que tu n'as pas de parti. Parce que tu as un parti, tu as un militant. Toi, tu vois, tous ces gens, ce sont des camps qui peuvent aller adhérer à quelque chose. Oh, ils ont un parti, sinon moi, si ils ont un parti, ils peuvent aller adhérer à ça. Bah, il dit que c'est un parti politique où l'autorité morale est partie. Il y a un parti qui est parti. Il y a un parti parmi les hommes d'État. Hein? Parce que, vous voyez, tout acteur politique n'est tout le monde à l'élo, tout ça. Tout acteur politique n'est pas homme d'État. Hein? Tout acteur politique n'est pas un homme d'État. Il faut faire. Batiluko Bazali, homme d'État. Batiluko Ebo est parmi les rares hommes d'État que nous avons dans ce pays. Batiluko Ebo que tu vois là. Donc, je ne vois pas. Alors, je ne vois pas. Monsieur Bati, allez, entrez là-bas. C'était un montage honteux. C'était un montage honteux pour discréditer l'image de cet homme. Mais malheureusement, c'était un pétard mouillé. Et vous avez suivi le communiqué, il y a AFDC qui est monté, l'AFDC qui est monté au créneau et a même promis de déférer devant la justice les auteurs déjà identifiés, il y a un montage grossier. Tout qui est de l'autre côté, Payouapi et Jekoko Moulumba Sengi, gestion de la ville-province à Kinshasa, se rendre compte. Les lois Ibouti, Bitumba entre Gobila, gouverneur, vice-gouverneur, Bangonyo sur la carte union sacrée, Bangonyo sur Bakusa la Mosala pour na Moulamu ya peuple qui est qui noie les lois. Est-ce que les Sengela qui na Bangou koko tana carte ya conflit wana? Bon, au moni, Mambu ya Kinshasa ils ont passé ngapa simingi, hein? Mambu ya Kinshasa ils ont passé ngapa simingi. C'est vrai que ville à Kinshasa ils ont un bas problème. Ils ont un problème où ils allaient. Le problème, ils ont une ramification. Le souhait n'a pas été. Ils allaient quitter. Je ne voulais pas voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui. D'abord, ça a commencé avec Godem Poi et Bahati et qui et Chantini Ngobila. Un homme comme Godem Poi là. Godem Poi, c'est un homme de Dieu, un pasteur. Godem Poi, depuis Abanda Moussala Naye, il y a Kostala na DGDA. Il a fait beaucoup d'années dans Katia, il y a DGDA. Est-ce que ce Yoka, Godem Poi, cité, ne fait ce que Naka Moko, il y a détournement à Bafon? Et ça l'a raté. C'est un homme incorruptible, un homme incorruptible, le loyo gestion na kati ya assemblée provinciale à Kinshasa, ça laisse à désirer. Mais c'est faux aujourd'hui. Est-ce que Zalaki d'esprit mabe bomba ma qui tant zaina déjeuner et kolanda et tant comme ça et archi faux. Il n'y a pas de preuve na ma makambo wana. Et Zalaki eloko moko il y a songi kota qui entre yena gouverneur Jantini Ngobila et Salim Mabe. Et c'est là qui est vraiment m'a dit. Donc, Godem Poi a voulu voir clair dans la gestion de la ville de Kinshasa sur un certain nombre de dossiers. Aussi longtemps, Zalaki n'a mandat Mobimba. Pourquoi vers la fin seulement chercher à découvrir la vérité ou à contrôler l'exécutif provincial? Aussi longtemps, Zalaki n'a possibilité Nyos. Aussi longtemps, on a rappelé avant l'arrestation à Mike Mukebayi, il demandait cela question avec des bannes gouverneurs de la ville province de Kinshasa. Oh, Godem Poi, Zalaki jamais autorisé. Non, c'est faux. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Ma question, c'est la question que nous maîtrisons très bien. Parce que je connais tout ce qui s'est passé.
La plupart, il y a des questions où Mike Mukebayi a bandako initié, interpellation, tout ça. Il s'est posé un problème de procédure qui n'était pas respecté. C'était juste ça. Ça se limitait au niveau du non-respect de la procédure. Ce n'est pas que Godin pouvait s'interposer pour que qu'aucun ministre provincial ou c'est pas qui vienne répondre de sa gestion devant l'Assemblée provinciale. Non. Il avait quel intérêt à faire ça. Donc c'est ainsi que Nazolo Baké, moi, j'aurais voulu que les duos Godin pour Gentil Ngobila et Kendeti Nasuka, parce qu'on peut dire tout ce qu'on peut dire. Détourner mes alaïna Kati, partager à fond où ils allaient allouer la population kinoise. Ils allaient coquiner entre. Pourquoi la fond ils allaient coquiner entre Godin pour Ina Gentil Ngobila. Parce que Godin pour il avait déclaré que les 500 000 où ils allaient détourner. Et après, il y a eu ça là. J'aime dire la vérité. Ce qui n'a moni ba fait pendaté. Hein? J'ai du mal à dire que à affirmer des choses. Tu vois? Donc voilà un peu ce que je peux dire. Règlement des comptes yango kozonga lelo yo entre Gentil Ngobila na Chekokomo. Bon, je dis que il y a eu naka je ne maîtrise pas bien le dossier à Ngobila na Chekoko. J'attends encore que j'ai des éléments, mais en tout cas, Naka et Godin pour c'était un règlement de compte. Naka et Godin pour c'était un règlement de compte. Au chité dans le dossier où le 28 août, j'ai de la francophonie, ils allaient lancer. Mais ici, Martin Fayoulou a annoncé marche le 29. Situation, on a été interpellé. Est-ce pour nous déstabiliser, pour nous faire ça, boycott dans le monde, j'ai de la francophonie? Bon, non, ça n'a rien à voir avec le jeu de la francophonie. N'a communiqué déclaration, dans la déclaration où il a sali, précisé objectif, il y a une série de manifestations où il a contesté le fichier électoral, il a réclamé audit du fichier électoral par les auditeurs indépendants. Parce que selon eux, fichier wana ils allaient rassurer Bango T. C'est comme ça qu'ils ont lancé un mot sans élection, sans audit du fichier électoral. Ça n'a rien à voir avec la francophonie. Et ils ont dit pas d'élection. Pas d'élection. Donc pour na Bango, ils vont mobiliser le peuple pour que le peuple s'oppose à tenir l'élection. Moi, je pense que ce qu'ils sont en train de chercher, c'est juste le dialogue. Ils cherchent le dialogue, comment ils peuvent partager les pouvoirs, aller dans un glissement, avoir peut-être des moyens de tout genre pour se rassurer que l'élection Oyokoya va aux à la perdante. Donc c'est juste ça. C'est juste ça, quoi. C'est longtemps que il y a processus électoral, ils ont déjà marché. Voilà, donc aujourd'hui. Ils ont déjà clos, sur, ils ont quand même mis déjà, donc ils ont la députation provinciale conseiller municipal. Et qu'est-ce qui reste encore? Non, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'ils disent clairement que Balingi Tshisekedi a respecté la constitution T, a glissé. Donc, qu'ils disent que pour eux, ils n'ont rien à voir avec les délais constitutionnels, là, ce n'est pas important pour eux. À ce moment-là, ils autorisent à Tshisekedi de glisser, d'occasionner même une transition de 2 ans. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui dialoguent, déclaration OSLC à Salaki jeudi passé, la semaine passée, il y a Kosenga qui est Tshisekedi a convoqué classe politique pour
un dialogue avant d'aller aux élections. Ce qui, le Tshisekedi a convoqué dialogue, voilà. Mais ça va aboutir à quoi? Il y a que l'élection est en décembre, c'est le dialogue, voilà. Oh, réforme à constitutionnel, réforme à CENI, réforme à Boyer, réforme à Boyer. Et à la fin, gouvernement d'union nationale pour partager les postes. Parce que n'a pas couronné Gozala. Bon, il y a trois ministères, ou bien il y a quatre. On a eu le ministère de la Finance, il y a budget. Ça va se finir par ça. Est-ce qu'on a besoin de ça? Moi, je pense que aujourd'hui, si l'opposition, n'engue opposition le bar à chaque fois, Tshisekedi a échoué, Tshisekedi a fait ceci, ça, il n'a rien fait, sur tous les plans, les blancs et négatifs, et tout ça, les peuples ne voient pas les voter. Mais allons aux élections, préparer les témoins, préparer les témoins, déployer les témoins partout. Parce qu'aujourd'hui, CENI a le but que, selon, conformément à la loi électorale, bah, résultat et Kozala publié bureau de vote par bureau de vote. Ça a été l'une des revendications majeures. Yaba opposant. Une revendication majeure. Cela a été adopté. Maintenant, problème, mes amis. Toi, tu vois quel est ce parti politique-là qui peut avoir bah, témoin déployé dans le bureau de vote, non sur toute l'étendue de la République. Parce qu'il faut payer ces témoins-là. Quel est ce parti politique-là, Oyozomona, à quoi déployer Tinaba fin fond, il y a un village, un grand équateur. Quel parti politique? C'est très compliqué. Est-ce qu'ils allaient déjà l'île de manière, il y a fraude de tout, ils allaient préparer? Non, mais ils ont fraude de tout, ils ont loi. Ils ont loi, non? L'opposition a réclamé qu'il y ait publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Ça a été une revendication majeure de l'opposition. Ça a été consacré dans la loi. Kadimale Rayambi Bango, il leur a assuré que, et que ça l'a wana, que ce soit Fayoulou ba reproche ou a formula qui, sur nombre y a ba électeurs, tout ça, parce qu'il disait qu'il y a des doublons, il y a des fictifs, na fiché wana. Kadima a ebisa qui est que, liste y a ba électeurs, et que ça affiché na ba bureau de vote, nyonso, conformément à la loi électorale de Ngolobi, 15 jours avant la tenue des élections. Naba bureau de vote nyonso éparpillé à travers la République, bako affiché, ba électeur nyonso. C'est comme ça que la loi Ngolobi. Donc, il ne peut pas aller au-delà de ce que la loi électorale dit. C'est tout à fait normal. Donc, moi, je pense que nous devons aller aux élections. Nous devons aller aux élections, éviter des histoires de glissements et tout ça. Je ne comprends pas. Nous devons aller aux élections. Que l'opposition multiplie la vigilance. L'opposition a préparé le peuple pour que le peuple a se prendre en charge, à s'approprier le processus électoral. De sorte que victoire n'aye baï bayango na motote. Pongai nandimaka te. Nandimaka jamais. Que na mboka oyo. Ce qui est opposant, ndenge bazolo ba Tshisekedi bilan est négatif. Ndenge bazolo ba Tshisekedi a échoué na éducation, na social, na sécurité, na ba domaine nyonso. Et que peuple a voté yete, je ne vois pas ce peuple là a voté candidat opposition à 90%, Tshisekedi a 10%, yoso mona wapi na mboka nini résultat ningona ba ko changer kam. Ba ko changer onde. Confirmé, y compromis à l'Africaine en 2018. Non, Nazolo Baboye, na lobby qui est élection il y a 2018, et ça là qui parfaite. C'est ça que j'ai dit. Je n'ai pas approuvé ce que toi, là, je ne sais même pas si ce que ça veut dire quoi. Non, mais Nazolo Baboye, ce qui opposition à se préparer et que à parvenir qu'on convainc à 80% à Congolais et que Naba Bureau Nyonso. Tu sais qu'il a voté T. Kadimawana. Même ce qu'il a, moi, il a dit, tu sais qu'il y a des mêmes pères, même mères, à rechanger l'élection. Résultat, on a ça sera compliqué pour lui. Il ne va pas le faire. Naban Zaïté, tout comme l'émission de la émission de la nous avons une question pratique. Moi, je suis Charles Leco, je suis un carte d'électeur.
Vous avez une carte d'électeur. Bien sûr que oui. Vous avez une carte d'électeur. Oui. Carte d'électeur, Nayo. Photo. Naba combo Ezali. Bien sûr que oui. Ezali. Oui. Tu vois, comment on a été Tu es dans un endroit. Mais on peut rassurer. Comme... On peut rassurer. Non, mais Nazo est photo. Photo, naba combo Ezali. Oh. Et l'imou était. Ezali, naba carte d'électeur, ou ba mention et l'imoué. Merci. Mais ça, naba carte d'électeur, l'okola ou yangaï, mention et l'imoué. Vous savez, et Kadima a répondu qui va opposant tant que vous avez dit qu'il a dit qu'il y aura un moment où il y a un peu de duplicata pour la batouana. Pour la batou, il va perdre la carte d'électeur. Et vous attendez, il va vous rassurer. Batou, il va vous la carte d'électeur. Na oyo ba carte d'électeur na bango ba mention je poser problème ba costel la bango ba duplicata c'est ça qu'il avait dit na banza été matin domingue na ndengo ndima ki invitation na makolo malelo et toko continuer toujours parce que ezali mosala oyo peuple atinda pe a pesa biso pour que to informer à temps réel et puis ba information oyo ezali bongo crédible et singeli congolais nyonso ezala ezali na diaspora ezali wapi ezala na est ya mboka république démocratique du congo ezala partout ndenge to kosala mosala et Congo Live Télévision partout et Kokendepe Kokota tout informé ba congolais parce que bango ndé ba ina posa information et la vraie et la bonne information écoute et pa ya babino bona mboka Charleke oyo na tondi mingi na mokolo molelo ni te partager na yo émission ya lelo. Merci beaucoup ndeko na banza été invitation kuya Naza disponible pour na Congo Live. Merci, je suis vraiment disponible. Merci beaucoup. C'est parmi les chaînes oyo que je suis en train d'apprendre à aimer quoi. Merci beaucoup. OK. Nabanza été balandi à Congo Live Télévision to kouten numéro mususu ezali koya et puis na mikolo o ezali koya botika la malamu ndenge to lobaka été na hymne national debout congolais to telema pona sort ya République démocratique du Congo pour to tonga le pays le plus beau qu'avant ezali bongo hymne national na biso botika la malamu na mabota na bino. Oh, yeah, channel.